Iclax, Alan et Ulysse Nautitou. Et Ulysse Nautitou, en fait, ils sont vraiment bons. On les a pas vus depuis le début. Hein. Enfin, ils ont fait aucun kill depuis le début. Ouais, ouais, mais là, je vais essayer d'en choper un en rarène de toute façon. Vous voulez la vidéo, pièce de pomme. Oui, vas-y, vas-y, je veux voir. Regarde pas Wolf, ça va faire du mal. Non, t'inquiète. Je veux voir. Alors, je baisse le son. Ouais, je baisse le son aussi. Ah, t'étais là, d'accord, attends, je regarde. Vas-y, vas-y. Ah ouais, t'as perdu tellement de vie, mec, à un moment. Il te reste un... Dès le début, t'as perdu la moitié de ta vie, Black. Hein. Ouais. Ah ouais, mais j'y suis allé au coup. Ah, tu t'es fait combo. Oh là là. Ouais, ouais. Wolf, il t'a... Wolf, attends, non. T'as combo, t'avais... Il avait combien? Attends, j'arrive pas à voir. Il avait 27, il te restait que 7,5, toi. Et tu l'as... après, tu l'as détruit la popo. Ouais. Ah ouais, mais la potion, ça fait trop mal, quoi. Ouais. J'ai vu mes cœurs, mais s'envoler, tu sais. Je te vois plus pareil, Wolf. Je te vois différemment maintenant. J'adore Lank. En plus, ça fait bien enculer pour les deux en plus, eh. Mais toi, t'avais. Y'a Lucas derrière avec ses petits 39 HP, sans pression. Qu'est-ce qui vient de se passer, les gars? J'ai pris des dégâts de chute. Tu sais ce qu'on dit, hein? LUGI. Mon nom c'est Luigi. Mon nom c'est Luigi. Here we go, c'est la fin de Mario. Allez. Est-ce que tu entends ma joie? On l'entend. Allez, maintenant je supprime. Non, je veux voir moi aussi. Super. Et là j'ai pas trop le temps. Faudra que tu regardes ma vidéo. Ouais, je vais mettre un pouce rouge. Ça me fera de l'argent. Oh merde, oh merde. Y'a un mec. C'est qui? Faut peu de force. C'est Ulysse. Ils m'ont vu, ils m'ont vu. T'es full life? Ils sont full life? Ils sont full life, oui. C'est chaud. Ils ont des popos ou pas? Je crois pas, mais... Essaie de jouer avec les dégâts de chute ou saut de lave et tout. Tente pas de corps à corps, hein. Tu vas te faire défoncer. Ah, bon, je viens de me prendre une flèche déjà. Très bien. J'ai pas pris beaucoup, j'ai pris juste un peu. Mais... J'ai pas pris beaucoup, j'ai pris juste un peu. Putain. Ah, j'ai encore pris une flèche. J'essaye de fuir un peu, en fait. Faut qu'ils se séparent, hein. Si t'arrives à les séparer à la popo de force, ça peut se jouer. Ouais, ou tant de ceux de là, vous dégâts de chute, un truc comme ça. Ouais, ouais, grave. De bien les... Parce que 2 contre 1, de toute façon, là, il faut que tu... Même avec les potions 2 contre 1, c'est chaud. Ouais, ouais. Surtout que c'est que des potions de force, hein. Ouais, et puis même, t'as vu les 2 barres de vie, il y en a qui peut se requiller, au pire, s'il prend cher, quoi. Mmh. Nous, c'est ce qu'on a fait, hein, sur Bitel et Rémi, hein. Et on a perdu, du coup, on a même pas perdu une barre chacun, en vie. Je vais me faire une pomme. Mais j'ai la dalle de menu au kill. Ah bah oui. Ah oui. Je crois que je vais me faire des pâtes moi aussi, putain. Il a eu son kill. Voilà. Et quand ça sortira, mon epic wheel, je le mettrai en vine. Ça risque de faire le buzz. Ah, oh, je suis mort. C'est genre en je suis mort, les mecs. J'ai tué Vas-y, ça peut rendre bien. Je suis mort. Oh merde. Merde. Ils étaient les deux sur moi, j'ai mis Nautitou à 19 et Ulysse à 13. Oh. C'est pas mal, hein. Sur l'arène, ils vont prendre cher, hein. Bah, si j'en avais tapé qu'un, ils seraient morts. Ouais, grave. De toute façon, sur l'arène, c'est obligé qu'il y en ait un des deux qui meurt. Hein. En fait, j'ai fait le con. Parce que je suis descendu. Et je suis descendu dans une grotte, en fait. Et il y avait 2 squelettes au fond. Tu t'es pris le squelette. Donc, du coup, ils ont commencé à m'aggro. Je suis reparti. Parce que moi, je voulais descendre pour avoir le temps de me crafter une pomme et tout. Parce que là, je pense qu'il n'y aurait pas eu les squelettes, j'aurais eu le temps de me crafter une pomme et j'aurais pu les tuer potentiellement. Je traite. Putain. Bon, ouais, c'est pas grave, c'est quand même une bonne saison, franchement. Pour nous. Ouais, ouais, c'est ouais, ça va. Ouais, moi, c'est une bien sorti. mais du coup, en fait, je vois pas qui peut gagner. Enfin, bah, Ulysse Nautitou maintenant, en fait. Bah, pas toi, ouais, déjà. Ulysse Nautitou gagne. Franchement. Bon, bah, moi, juste de mon côté, je vais couper cette vidéo. Salut. Bon, bah, voilà. Donc on se retrouve après Arena Swap, donc comme vous pouvez le voir, je viens de mourir. Tout d'abord, je veux juste m'excuser, comme il était écrit dans les descriptions des épisodes à partir de l'épisode 2. Donc je suis désolé pour l'upload qui a vraiment mis du temps à arriver. Faut savoir, voilà, donc là en fait, c'est juste j'ai eu des problèmes personnels, puis avec mon ordinateur et tout, du coup ça a pris du temps. Et vous pouvez voir qu'en vrai, je peux tenir un rythme, parce que pendant les vacances...
je me suis dit, j'ai eu plus de... Enfin, dès que j'ai eu mon ordinateur, je me suis dit, je vais uploader ArenaSwap. Et donc, bah, j'ai réussi à upload à peu près un épisode tous les deux jours, voire même un épisode par jour, par moment, enfin bref. Du coup, je vais juste vous donner vite fait mon ressenti sur cette saison. Donc la saison a été assez intéressante, de mon point de vue. On avait réussi à se mettre vraiment très très bien. Bon, après, il y a eu le bug des coffres, qui a été relativement embêtant. Quand je parle du bug des coffres, je parle des coffres qui apparaissaient vite quand on tuait quelqu'un. Mais bon, d'un côté, enfin, ça désavantageait personne, étant donné que tout le monde avait ce problème, quoi. Mais du coup, là, ça servait un peu à rien de faire le kill dans l'arène. Mais bon, enfin, ça monte nos stats, parce que je crois qu'on a un truc de stats, nous. On a des documents privés avec des stats et tout, c'est swag. J'ai un stat de 1 kill pour 2 morts, vraiment très très bien. Sinon, donc, je vais revenir épisode par épisode. Donc, bon, épisode 1, il n'y a pas grand chose, hein, c'est le début. Après, on a réussi à aller très très vite dans le Nether. Au niveau de l'arène, on s'en est pas mal bien sorti au tout début. Donc, on a eu des potions de force très vite. Après, on a fait un kill dans l'arène. On a dû tuer genre Safe Pony, je crois, un truc du genre. J'ai pas les épisodes sous les yeux, donc je le fais à la mémoire. Et c'était il y a... Ça doit faire un mois qu'on a tourné, je pense. Et je vérifie ça vite fait. ArenaSwap saison 1, non. ArenaSwap saison 1, streamer, non. ArenaSwap saison 2. C'était il y a très très longtemps. On avait tourné... Je cherche, hein. Ah, c'était encore avant le... J'ai quelle date, là? Je cherche la date. Ouais, ça devait être samedi, ouais. Donc ça fait un mois et demi, à peu près, je pense qu'on va tourner. Donc voilà, bon, je fais ça, je me vois, ça va être compliqué. Après, enfin, les deux premiers épisodes, parce qu'après, je les ai à peu près revus, les autres. Donc ça doit être épisode 3 ou 4 qu'on croise le gros lapin, enfin que Wolf croise le gros lapin en dehors de l'arène. Donc c'était un kill facile, étant donné qu'il y avait les potions et puis lapin, je sais pas ce qu'il a fait, il a vraiment pas, enfin j'ai l'impression qu'il a pas été à son top niveau, parce que normalement je pense qu'il aurait pu lui faire plus mal, mais si je dis pas de conneries, je crois qu'ils étaient pas enchantés et tout, du coup c'était assez compliqué quand même. Donc à la fin de l'épisode, bon voilà, arène machin, on a eu un swap qui nous a fait assez peur, c'était le swap de la quand on était dans le Nether avec la lave, au-dessus de la lave et tout. Ça, si je dis pas de conneries, c'était un piège de Ditto et Matt. Ils en ont fait plusieurs, à ce qu'il paraît. J'ai pas trop checké leur point de vue, donc je peux pas vous en dire plus. Mais voilà, donc c'était assez chiant, surtout que il a fallu faire un long bridge et tout pour retourner à... C'était une forteresse qui était pas loin, un truc du genre, je sais pas trop. Enfin bref. Après, bon, on a eu une arène assez compliquée, c'était l'arène où donc il y avait Wolf et moi contre Pib et Black Dream. On a eu de la chance de tuer Black, parce qu'étant donné que moi j'avais 3 PV et Wolf il en restait 2, donc 2 c'est 1 cœur et moi j'avais 1 cœur et demi. Et en fait, on a gagné tout simplement parce que... Bah, tout simplement parce que nous, on avait un focus, en fait. On est arrivé, on a dit Black Dream. Bon, à ce qui paraît, eux, ils focusaient Wolf, mais... Enfin, de ce que Pim m'a dit, en fait, ils étaient un peu emmêlés, puis à un moment, ils s'est retrouvé à me taper, moi, et tout, du coup. Bah, du coup, j'ai pris un focus en un petit moment, et tout. On a eu de la chatte, hein, ça s'est joué à un coup. Après, faut savoir qu'ils étaient vraiment très très bien stuff, hein. Bah, comme vous avez pu le voir, quand j'ai tué Black, genre, il y avait des sharpness 3 et tout, alors que moi j'avais un vieux knockback 1. Yes. Dans l'arène, ça va, un knockback 1, ça peut être assez utile. Si j'ai mis un gros focus sur toi, tu peux envoyer chier les gens. Et le reste du temps, je préfère avoir un sharpness quand même. Et puis donc, à la fin, je meurs contre Naughty 2 et Ulysse. Je me suis quand même bien battu. Même si j'avais des potions de force, je leur ai fait, enfin,
J'ai fait assez mal avec des potions de force. J'ai dû faire un cumulé de 40 coeurs sur les deux. Du coup, c'est-à-dire que si j'en avais focus un, il serait mort. Mais donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête, en fait, parce que ça, je m'en souviens très bien. Donc, voilà, je les vois comme ça, je me dis... Au début, je les vois de dos, donc je me dis, je vais y aller. Je le vois qui se retourne, qui commence à me tirer dessus, donc je commence à m'enfuir, normal. J'étais un V2, ça allait être compliqué, j'avais pas d'arc. C'est compréhensible. Donc, du coup... Bah, je commence à m'enfuir, il me chase. Et il y a un moment, je vois une grotte. En fait, moi, j'avais perdu de la vie et tout. Et je m'étais dit, comme ils savaient plus trop où j'étais, je pouvais me permettre de les fight si j'étais full vie. Du coup, j'y vais, je fais ma peau, j'essaye de me crafter une, je descends, j'ai, pour me crafter une pomme. En fait, le problème, c'est que je tombe néné avec deux squelettes. En fait, moi, j'étais, on va dire là, à ce moment-là, j'étais assez stressé. Et du coup, en fait, j'ai eu peur des squelettes. Ce qui est totalement débile, étant donné que j'avais une sharpness 3 et une potion de force. Donc j'arrivais, je leur mettais un coup, ils étaient morts. Du coup, ça m'a emmené à me desneak. Enfin, à me desneak, à ne pas pouvoir me sneak parce que je voulais m'échapper. À retourner vers la sortie de la grotte. Et là, il y a les deux qui me sont tombés sur la gueule. Et du coup, bah moi, j'avais pas fait ma pomme. J'avais un squelette qui me tapait dessus. Donc, faut savoir que pour le PVP, ça c'est désavantageant quand tu te fais... Quand il y a quelqu'un qui te tire des flèches... pas derrière et donc ça te fait sauter et tout, c'est embêtant. Et bon, après il y a Ulysse qui commençait à dire bah viens on y va à l'épée. Après que Naughty 2 m'a mis quand même quelques flèches, hein. J'ai commencé à vraiment me battre, j'avais 20 PV, du coup c'était un peu sûr que je sois mort. Et juste si j'avais été beaucoup moins stressé, donc j'aurais pu tuer les squelettes et là j'aurais pu me faire ma pomme. S'il m'avait vu, j'aurais pu me mettre dans un endroit fermé, étant donné que j'avais pas d'arc et que j'avais une très bonne épée, j'aurais pu le faire dans un coin fermé. Mais bon, avec DC on refait le monde, et on a eu un autre problème aussi, c'était à la fin de l'épisode, au début de l'épisode 6 je crois, 6 ou 7, aucune idée. Enfin, avec Wolf était encore en vie, et c'est celui, bah l'épisode dont tu blagues, donc c'était celui juste avant. Quand on a perdu notre stuff juste parce qu'on a, bon, on a oublié de compter de prendre en compte les morts qui sont tarifement dans l'épisode. Genre Ditto, il y a sûrement y en avoir un autre. Je sais que Ditto était mort là. C'était Ulysse Nauticus qui les avait tués d'ailleurs, qui l'avait tué d'ailleurs. Enfin bref, donc j'espère que la saison vous aura plu. Encore désolé pour l'upload qui a mis du temps à venir. Très prochainement, je vais vous upload la fin de KOD6 aussi. Ça, c'était il y a encore plus longtemps. Ça devait être en décembre, vacances de Noël, je pense. Non, même avant. Les vacances de la Toussaint, il y a moyen. Attendez, je regarde aussi. Enfin, c'est Killer Die 7 plutôt. Killer Die saison 7. Diffusion jeudi 4 décembre. Voilà. Après, je juge pas, hein. Ne me jugez pas, vous aussi. Ça a été tourné quand, ça? Ah, je crois que j'ai vu un mardi 21 octobre, là. J'ai peur. Fort descend, genre descend, je cherche. Et c'est quoi, ça? Non, ça, c'est des nouveaux participants qui ont été ajoutés. Ouais, non, je trouve pas, mais c'est donc avant le début décembre. Du coup, c'est à très longtemps, et moi j'ai pas encore eu de la fin. Donc, ce sera mon dernier épisode qui arrivera si jamais vous voulez checker juste ce qui s'était passé. Parce que ça va. Enfin, voilà. Des Killer Die, il va y en avoir souvent sur la chaîne, normalement. Ainsi que des Arena Swap, je pense. Et ça va vraiment bien parce que moi, j'ai beaucoup de plaisir à tourner ce genre de choses. Voilà. Sur ce, bah, comme je l'ai déjà dit, j'espère que toute la saison vous aura plu. Donc, si vous pouvez aller checker donc la vue de Ulysse et Naughty 2 pour voir ce qui s'est passé dans leur tête quand je les ai tués. Et sur ce, moi je vous dis salut et à la prochaine, bye.